thème, d'une certaine façon, il est extraordinairement vaste. Et finalement, à la limite, on peut dire que la musique, c'est toujours passion. C'est, qu'elle soit une musique comme l'art de la fugue, extraordinairement savante, complexe dans l'écriture, avec un contrepoint très fouillé et une sorte d'abstraction pure. Ou Rachmaninov, Tchaïkovski, ou ces musiques alors clairement passionnées dans le sens du lyrisme, du débordement, ou là au contraire le cadre est beaucoup moins serré évidemment que Jean-Sébastien Bach. Mais donc la passion a de multiples visages. Donc à partir du moment où on ouvre une telle porte, tout est permis. Alors, il se trouve que dans ce que j'avais au départ pensé être le thème de la folle journée, je vous dis la chose à la base, c'était qu'au départ, c'était peut-être 1685, donc l'année de naissance de Bach, Handel et Scarlatti. Et en fin de compte, le fait que ça s'élargisse à la passion ne m'a pas du tout dérangée, parce que Handel est une musique extrêmement généreuse, foisonnante, rayonnante, en tout cas dans les pièces que j'ai choisies, en particulier la Chaconne. Et puis c'est un musicien extrêmement charnel, on peut dire. Jean-Sébastien Bach, dans les préludes de chorale transcrits par Bouzonnier, il y a aussi une dimension romantique et d'intériorité très ardente, très priante. Et bien sûr, Jean-Sébastien Bach, de toute façon, auteur de passion s'il en est, et comment ces merveilleuses passions selon saint Jean et selon saint Matthieu, il y a en lui cette flamme de la foi qui le porte. Scarlatti, c'est différent parce que c'est un Italien, c'est un compositeur qui a écrit ses 555 petites pièces dites sonates pour le clavecin au départ, mais qui, justement, transportées, si l'on peut dire, transposées au piano, prennent une autre dimension, se romantisent un peu justement parce que dans l'écriture, elles sont, pas toutes, mais une bonne part d'entre elles appellent le chant. Et un peu comme Chopin. Et Chopin d'ailleurs aimait beaucoup les sonates de Scarlatti, et ça ne m'étonne pas qu'il s'y soit retrouvé. Il y a aussi dans l'histoire même du compositeur Scarlatti par rapport à cette œuvre avec laquelle il est passé à la postérité, un moment de passion, on peut dire, personnel, puisque jusqu'à la mort de son père, et quand son père meurt, il a 42 ans, jusqu'à la mort de son père, il écrit tout à fait dans la mouvance du père, plutôt des musiques religieuses, des motets. Et puis, après la mort du père, jusqu'alors il est resté célibataire, il s'est marié avec une jeune fille de 16 ans, donc peut-être qu'il y a une forme de passion qui explose là. Et puis il se lance après, vers la cinquantaine, dans la composition de ses sonates, et c'est là où il se révèle vraiment. Donc il y a peut-être une sorte de, justement, de vraie explosion de sa nature propre, et le fait qu'il en ait tant composé montre bien qu'il y avait une forme de passion pour lui là-dedans. Et puis en plus, alors de par ma nature à moi, j'aime beaucoup, c'est aussi pour ça que j'aime Chopin, la passion retenue, c'est-à-dire la passion litote, la passion de racine, la passion, ou la passion qui dit, parce que ça c'est plutôt Corneille, mais va, je ne te hais point, pour moi c'est très très puissant. Donc l'understatement, la retenue, une forme de pudeur n'est pas du tout antinomique de la passion. Voilà. Donc vous voyez, j'ai joué à l'instant, là, je viens de jouer le deuxième concerto de Chopin. Là, évidemment, c'est une œuvre extrêmement romantique et d'un jeune passionné, puisqu'il a 20 ans quand il compose ce concerto. Et il est à ce moment-là très amoureux d'une jeune fille qui, peut-être qu'il ne s'est même pas encore vraiment déclaré. Ça reste le premier amour et sa première émotion de tout jeune homme. Et donc, c'est évidemment une magnifique déclaration en musique. Folle journée, parce que chaque année, moi, ça me donne la sensation d'être toujours une aventure qui se renouvelle, qui est
toujours différente. C'est aussi une force, je trouve, de mon métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de routine possible dans un tel métier. En matière artistique, dès qu'il y a routine, il n'y a plus art, de toute façon. Et en plus, dans la musique, il est impossible de jouer deux fois une œuvre de la même manière. Donc, il y a une métamorphose permanente dans le temps musical, puisque c'est du temps, c'est pas palpable, il n'y a pas un objet. Et puis, nous avons la chance, nous, interprètes, justement, que pour que cet art de la musique existe, il faut qu'il s'incarne dans un interprète, il faut qu'il soit joué, et donc il passe par une tierce personne. Alors que si vous regardez un tableau, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et l'œuvre. Là, nous avons cette chance que pour que Beethoven résonne, sonne et parle et s'exprime, eh bien il a besoin de nous. Donc ça c'est cadeau, c'est extraordinaire. Donc tous les ans, dans cette folle journée, le partage avec le public, en effet, il est très spécifique parce qu'on a l'impression d'une aventure collective. Et à la lumière, je trouve très important d'en parler, à la lumière aussi de ce qui s'est passé récemment, cette nécessité de se retrouver, mais portée par quelque chose qui nous dépasse et qui nous tire vers le haut. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et on voit le visage des gens ici. Il y a une espèce d'euphorie, de liesse, des grands sourires. Voilà, qui est sur les visages, et curieusement l'appétit musical vient en mangeant, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien écouter 6 ou 7 concerts dans leur journée parce que les concerts sont courts, les concerts, donc ils changent de genre, ils vont écouter une symphonie, un concerto, piano seul ou quatuor à cordes ou trio. Donc le renouvellement des genres, des formes, fait que les oreilles se rafraîchissent et ça ne leur fait pas peur non plus d'entrer dans une salle pour 40 minutes après tout. Ceux qui en tout cas ne sont jamais venus à un concert, et c'est magnifique parce qu'on sent bien qu'ici il y a en effet une bonne partie du public qui ne va pas dans les salles de concert traditionnelles, de ce public qui pense à tort souvent que ça n'est pas pour lui, que ça ne s'adresse pas à lui, qu'il faut un mode d'emploi particulier ou appartenir à une certaine classe sociale et qu'ils n'ont pas les clés. Alors que la beauté, évidemment, est universelle. Et j'ai coutume de leur dire, j'aime beaucoup jouer pour des ingénus, des publics non connaisseurs, parce qu'ils ont une forme d'humilité ils acceptent d'être pris par l'émotion sans trop comprendre pourquoi. Alors que le connaisseur, souvent, je ne veux pas non plus dire du mal des connaisseurs, mais souvent, il sait à l'avance ce qu'il va ressentir. Et parfois, du coup, il anesthésie un petit peu, il émousse un petit peu sa sensibilité. Alors que l'ingénu, et il peut être devant une sonate de Beethoven comme devant un coucher de soleil. Il n'est pas nécessaire de savoir exactement quel est le phénomène physique, chimique qui se passe à ce moment-là. Au très fond de soi-même, on sait qu'on est devant la beauté. On sait qu'on est devant une dimension de soi qui est évidemment extrêmement précieuse. Et que ce que je me dis aussi, c'est que la plupart des gens qui, comme ça, n'entrent pas dans ce monde de la musique classique, ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. En fait, ils ne le connaissent pas, donc on ne peut pas savoir qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais je me sens, moi, très investie dans cette espèce de nécessité de témoigner de ça et de leur dire « ça vous concerne ». Et vous serez étonnés de découvrir en vous d'autres champs de perception, d'émotion et de sentiments. Donc voilà, je me sens vraiment une âme de missionnaire.